On se retrouve aujourd'hui pour le détail de mon sac à dos pour bivouaquer en forêt. On est en automne, je pense que c'est important, comme d'habitude. Je le dis souvent, hein, c'est important de situer le contexte, donc aussi bien géographique qu'en termes de saison. On est en automne, on vient d'entrer dans l'automne, on n'est encore pas très froid, il fait encore pas très humide, on n'a pas beaucoup de vent pour l'instant, même si sur les crêtes dégarnies en basse montagne, je pense à mon petit sommet du Grand Raz, que j'adore, on a déjà pas mal de vent, on a frisqué, il faut bien s'habiller, donc petite chemise en laine, un petit pull en laine aussi, j'adore ce pull en laine, vous m'avez posé des questions d'ailleurs à propos de ce pull, donc je vous en reparlerai en détail. Dans cette vidéo, je vais aussi détailler le contexte géographique. Pour ce bivouac en forêt, j'étais en forêt de basse montagne, les forêts autour de chez moi. Donc quand je vais bivouaquer en mode bushcraft, où je sais que je peux faire un feu de bois, c'est pas une obligation, j'emporte souvent un réchaud à bois. Si je veux faire un feu de camp au sol, dans le parc de Chartreuse, niette, c'est pas possible, le règlement me l'interdit. Et mon parc de Chartreuse, je l'aime, donc je vais pas aller y faire n'importe quoi. Donc majoritairement, quand je vais faire un bivouac en mode bushcraft, je sais que je ne vais pas être dans le parc de Chartreuse. Je vais aller majoritairement sur les collines qui sont autour de chez moi. Donc ces collines, elles sont assez nombreuses. Elles sont, pour certaines, pas très accueillantes. C'est ce qui fait que je rencontre généralement pas grand monde. Un terrain de jeu très sympa, qui me donne la possibilité de vraiment m'épanouir. Donc aller à la rencontre de la nature sans être dans le parc de Chartreuse. J'ai donc situé le contexte dans l'année. On est au début de l'automne, il fait pas très froid. La nuit, on peut avoir du 10 degrés. Bon, c'est encore relativement chaud. En termes de contexte géographique, je vous ai situé un petit peu le truc. On est en forêt de basse montagne. Généralement, je pars pas de l'altitude de 0 mètres. Quand je commence à randonner, je suis déjà un petit peu en altitude. Et puis, généralement, je vais pas avoir un gros dénivelé à bouffer, ni une grande distance à parcourir. Voilà, donc je peux me permettre d'emporter un petit peu plus de poids dans le sac à dos. Généralement, ce poids va se traduire par soit des outils un petit peu plus lourds que ce que j'ai réellement besoin, parce que j'aime bien ces outils, soit des éléments de l'ancien temps. Je pense par exemple à ma lampe à pétrole. C'est pas un élément indispensable, puisque si je veux mettre une lanterne sur le camp, bah, j'utiliserai soit ma lampe frontale que j'ai toujours dans le sac à dos, quoi qu'il arrive, soit une petite lanterne comme celle-là par exemple, qui est pas mal, mais elle n'a pas le charme des outils rétro. Moi j'aime bien un petit peu les trucs vintage. Il y a aussi une grande partie de mon matériel que j'essaie d'alléger, parce qu'avec le temps bah, je prends de l'âge, mes genoux aussi prennent de l'âge, donc je ne veux pas leur infliger des à-coups, des traumatismes et des blessures que je pourrais éviter. Donc dans la mesure du possible, j'essaie de ne pas dépasser un poids de sac à dos. Et en partant deux jours comme ça en forêt, avec de la nourriture fraîche et une petite bière artisanale, j'essaie de faire en sorte que mon sac à dos ne dépasse pas 10 kg, 10, 12 kg, allez, grand maximum 15 kg si je prends du matériel pour filmer, parce qu'il m'arrive de le trimballer aussi dans le sac à dos. Mais en général, mon sac à dos pèse entre 10 et 12 kg. Quand je pars, le poids total du sac à dos bouffe et eau inclus. Le sac à dos en question. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter le matériel complètement. Je vais donc détailler chaque élément, mais je ne vais pas donner les détails précis, exacts pour chaque élément. Pour ça, vous trouverez des liens pour chaque élément dont je vais parler sous cette vidéo dans la description pour vous permettre d'accéder à des articles plus complets, plus détaillés, bah, qui vont vous donner plus de renseignements. Si je le fais pas dans cette vidéo, c'est principalement pour pas faire une vidéo qui dure 3 heures. Je vais quand même chapitrer cette vidéo puisqu'elle risque de s'approcher d'une heure. Les chapitres vont vous permettre en bas, dans la barre de progression de la vidéo, d'accéder aux parties qui vous intéressent le plus. Cette vidéo va se couper en deux parties majoritairement, peut-être 3 si je vois que je dépasse pas trop une heure. Première partie, le sac à dos et son contenu. Deuxième partie, les vêtements. Principalement mon pull en laine. Troisième partie, le matériel vidéo, puisque c'est du matériel que j'utilise aussi pour moi, pas forcément pour utiliser des séquences dans les vidéos que vous voyez. Donc c'est du matériel que j'emporte avec moi, quoi qu'il arrive.
Et donc je pense que c'est important d'en parler comme du matériel qui fait partie de ce que j'ai utilisé pendant ce week-end. Allez, première partie, on va rentrer dans le vif du sujet avec le sac à dos, le contenant principal. Le sac que j'ai emporté, c'est mon Savotta Yekeri Medium, un sac à dos qui a un volume de 30 litres. Alors ce sac à dos, c'est un petit peu un coup de cœur, parce qu'il me rappelle les vieux sacs militaires d'avant, mis à part le fait qu'il a des passants mollis. Un sac à dos que j'apprécie bien, qui est rempli de plein de trucs sympas. On a deux sangles de compression de chaque côté, on a deux sangles de compression qui passent sous le sac avec des sangles très longues qui vont permettre de transporter du matériel sous le sac à dos. On a un rabat ici qui peut monter très haut, voilà, une fois fermé, de façon à permettre de transporter du matériel sur le haut du sac. Je pense à un matelas par exemple, un matelas en mousse. Parfois les matelas sont assez volumineux. Donc on a des possibilités d'emporter du matériel à l'extérieur du sac. Ça c'est un bon point. Ce sac n'est pas complètement parfait non plus, hein. Je sais que j'en parle souvent, vous me voyez beaucoup avec. Mais un, c'est pas un sac qui est conçu pour battre des records de confort. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et deux, bah, y a des éléments qui ne sont pas tout à fait logiques par rapport à ma conception du sac à dos. Le couvercle a une poche qui est uniquement accessible de l'intérieur quand on ouvre le couvercle. Moi, j'aime bien avoir une ouverture à l'extérieur, mais ce n'est pas le cas. Ça, pour moi, c'est un point noir. Deuxième point noir, les bretelles d'épaule ne sont pas matelassées. On n'a pas de rembourrage. Donc si on est en été avec un vêtement fin, bah, on va avoir les bretelles qui vont marquer un petit peu la peau. Ça ne va pas cisailler non plus, hein, si on fixe le sac à dos correctement. Mais le deuxième point négatif, c'est qu'il est surtout fait pour des personnes de... Ah, je ne veux pas dire de petite taille, ça pourrait être pris péjorativement. Moi, je mesure 1m84 et la ceinture lombaire m'arrive là, ici, sur l'abdomen. C'est pas agréable. C'est pas du tout agréable. Quand j'ai fait un bon repas ou que j'ai pas digéré quelque chose, et que le sac est un petit peu chargé et que j'ai vraiment besoin de porter le poids du sac sur les hanches, bah c'est pas possible. Si je le porte correctement, je porte le poids du sac sur l'abdomen. Et ça, c'est franchement pas agréable. Donc je mesure 1m84. Je pense qu'une personne qui mesure 1m70, voire 1m75, arrivera à la limite de confort de ce sac. 1m75. Au-delà, bah, il vaut mieux pas trop charger le sac à dos et pas trop avoir à digérer. Dernier point négatif, à mon sens, on n'a pas ici de sangle de rappel de charge, mais bon, ça s'inscrit un peu dans la globalité du confort du sac. Voilà, on n'a pas des bretelles rembourrées, on n'a pas une hauteur de sac qui permet de le fixer vraiment sur les hanches quand on est grand. Donc ce sac, je l'aime bien quand il n'est pas très rempli et quand je sais que je ne vais pas avoir beaucoup de marche, beaucoup de dénivelé à gravir. Sinon, si j'ai beaucoup de marche, je sais que je vais être un petit peu en montagne et j'ai besoin d'une certaine dose de confort, je vais plutôt prendre un sac qui n'a absolument rien à voir. Ça, c'est mon Soloniac Big Game 45-90. C'est pas un sac qui est fait pour... c'est pas un sac militaire comme le Savotta. Il n'y a pas forcément d'utilité, c'est pas indispensable de prendre un sac militaire pour aller en forêt, hein, je vous rassure tout de suite. Moi, c'était surtout un coup de cœur, le Savotta. Un petit peu mal à la gorge, je ne suis pas fait pour parler longtemps. Le Soloniac, par contre, lui, j'en reparlerai en détail, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est pas une vidéo pour passer en revue le Soloniac. Le Soloniac, il est pas mal pour aller en forêt, parce que lui, par contre, il a des bretelles rembourrées, des sangles de rappel de charge et une hauteur de cadre qui autorise un certain confort, même pour quelqu'un qui mesure une certaine taille. Voilà. Donc si je devais faire un choix aujourd'hui, en termes de prix, ça va être compliqué de comparer le Savotta et le Soloniac, puisque le Savotta, il n'est pas fabriqué en Asie, comme le Soloniac. Donc je ne vais pas pouvoir comparer les prix en disant il vaut mieux le Soloniac parce qu'il coûte moins que le Savotta. Ça a ni queue ni tête. C'est comme comparer un couteau comme ça, traditionnel, ça a mis, et un couteau de survie monté plat de semelle qui est fait pour figurer dans un film avec Stallone ou je sais pas. Je ne vais pas comparer les prix, ça n'a pas de sens.
dans le Savota, j'ai tendance à mettre un matelas comme ça, un matelas D4 vraiment basique que j'ai recoupé. En fait, le matelas, je vais le mettre en rond à l'intérieur du sac pour préformer le sac, vous voyez, pour lui donner une structure tubulaire de façon à ranger le matériel et à le sortir aussi plus facilement. Alors la fermeture de ce sac, elle se fait avec ici un bloc corde. Moi j'ai remplacé le bloc corde d'origine par un élément qui vient du sac de compression d'un vieux sac de couchage, voilà ici, le Carinthia Défense 4. Donc un bloc corde plus facile d'accès quand on porte des gants en hiver. Et puis j'ai rajouté un bout de bois ici, parce que j'aime bien le bois, voilà, c'est purement décoratif. Alors, le Savota, il a des passants ici sur la bretelle d'épaule, et ça c'est super pratique pour fixer des éléments. Le Soloniac, il n'a pas de passant. C'est un sac qui est fait pour aller en montagne, pour la chasse silencieuse en montagne, donc la chasse à l'arc. Et c'est un volume, je parle du Soloniac, qui passe de 45 à 90 litres. Mais il a des lacunes, il lui manque quand même pas mal d'éléments. Mais j'en reparlerai en détail de ce sac Soloniac, parce que je pense que moi j'aimerais bien qu'il sorte une nouvelle version avec des améliorations dessus. Bon, ce sera peut-être le cas un jour. Voilà, donc pour finir avec le Savota, je lui ai mis une petite pochette de ceinture ici, que j'utilise principalement pour transporter la corde, voilà, la corde à nœud. La corde à nœud, je vous avais fait une vidéo explicative pour montrer comment la faire. C'est un truc qui est vraiment très très simple à faire. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à la regarder. Je vous mettrai un lien direct dans un coin de la vidéo. Je crois que c'est dans ce coin-là, si je ne me trompe pas avec le miroir. Le sac à dos, on vient d'en parler. Maintenant, je vais parler de l'abri que j'ai utilisé pour bivouaquer. J'ai utilisé un tarp. Moi, je suis un grand adepte des tarps. J'utilise aussi parfois des tentes, mais ce n'est pas mon domaine d'expertise. Moi, je ne suis pas très expérimenté en tentes. Le tarp que j'ai utilisé, c'est un tarp allemand, fabriqué en Chine, mais de la compagnie allemande Amazonas Ultralight. C'est un tarp coloris camouflage. Alors je suis pas parti en mission commando, hein, je suis juste allé dormir en forêt, d'accord. Je suis pas allé faire de la survie, je suis pas allé je sais pas quoi. Je suis allé passer un bon moment en forêt, écouter les arbres grandir, regarder le temps s'arrêter, voilà. Et puis me cuisiner une bonne bouffe aussi par la même occasion. Mais si je prends de l'équipement camouflé ou des vêtements couleur kaki, c'est pour pouvoir me fondre un petit peu plus dans la nature et pour avoir une opportunité de croiser des animaux sauvages, comme ça m'arrive régulièrement. Chevreuil, sanglier, renard, lapin, blaireau, des oiseaux aussi, beaucoup d'oiseaux. C'est vraiment une chance inouïe d'avoir ce contact avec des animaux sauvages qui vivent dans leur environnement d'origine. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et cette possibilité, elle m'est donnée parce que j'ai une certaine discrétion. Ouais. Je ne suis pas furtif non plus, hein. J'y vais pas en mode Rambo avec le couteau entre les dents à ramper dans les fougères pleines de tiques. Mais j'arrive à être relativement discret. Sauf quand je fais un feu de bois, évidemment, là, l'odeur de la fumée. Mais avant de faire un feu de bois ou au petit matin quand il est éteint, j'arrive à observer des animaux sauvages. Oh. Je vais pas vous le cacher, la plupart du temps, c'est eux qui viennent me voir la nuit pendant que je dors. Hein. Mais bon, ils me dérangent pas. Voilà. J'en reparlerai d'ailleurs, comment bivouaquer en forêt sans être dérangé par les animaux sauvages. J'en reparlerai, parce que je pense que ce sujet en intéresse beaucoup parmi vous. Donc un tarp qui est fait avant tout pour protéger un hamac. C'est pas un tarp qui est conçu pour protéger quelqu'un qui dort au sol. La différence avec un tarp conçu pour protéger quelqu'un qui dort au sol, c'est que les côtés sont plats. Là, les côtés de ce tarp, et c'est le cas aussi avec sa version ultra légère ici, c'est que les côtés sont en arc de cercle. Donc le vent va passer dessous et éventuellement aussi la pluie par rebondissement, par ricochet, ce qu'on appelle le splash effect. Donc ça peut être un vrai problème. C'est un problème qu'on peut pallier généralement en mettant des débris naturels sur les ouvertures, hein, un bout de bois, des cailloux, de la neige, si on est en hiver, je le fais régulièrement, ça marche très bien. Donc un tarp qui est bien fait,
Mais il y a des critiques à faire dessus, quand même. Évidemment, le matériel n'est pas complètement parfait. Hein, sinon, le matériel parfait, ça n'existe pas. Mais si ça existait, je pense que vous seriez les premiers informés. Mon hamac vient aussi de chez Amazonas Ultralight. Il a aussi un coloris camouflage. C'est un hamac, une place, équipé d'une moustiquaire. Moi, je trouve ça vraiment bien, les hamacs équipés de moustiquaires. On peut évidemment acheter un hamac minimaliste, une place, vraiment un truc très léger. Et à côté, une moustiquaire, ça c'est très valable aussi. Sous le hamac, au sol, généralement, je mets une toile imperméable. Ça évite à l'humidité du sol, au niveau du hamac, de remonter jusqu'au hamac. Même si généralement, c'est pas un problème. Où est-ce que je l'ai mis? J'irai le chercher après. J'en ai pas là. Non, j'en ai pas là. C'est pas un problème l'humidité qui remonte du sol parce que j'utilise un matelas en mousse dans mon hamac. Mais ça, moi, ça me suffit pas puisque je bouge un petit peu la nuit. Donc le matelas va bouger aussi. Et il y aura toujours un petit peu d'humidité qui va passer à travers la toile du hamac et me refroidir une partie du corps et me réveiller en pleine nuit ou m'empêcher de me rendormir. Ça, ça arrive souvent. Du coup, au sol, j'ai tendance à mettre une feuille de nylon. Ici, ce rôle est rempli par mon poncho. Le poncho Sabota. C'est un super poncho. On a une belle grande toile de nylon bien imperméable. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait chez Sabota le jour où ils ont conçu le poncho. La couture ici, qui passe sur la capuche aussi, n'est pas imperméable. Ce qui veut dire que si tu prends une bonne pluie, ben tu vas prendre l'eau dans le poncho. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pour rendre imperméable une couture, bah, y a rien de plus simple. Dans l'industrie, on va coller à température élevée une bande de plastique souple sur la couture à l'intérieur du vêtement. Ça, c'est pour l'industrie. Moi, je peux le faire. Si je veux rendre ce poncho étanche, c'est pas compliqué. Je vais fabriquer une solution imperméable en mélangeant du silicone transparent et du white spirit. Ensuite, avec un pinceau, je vais appliquer cette solution par couches successives en attendant le séchage entre chaque couche. Et puis ensuite, je vais laisser sécher complètement quelques jours avant de le mettre sous la pluie. Mais d'origine, le poncho Sabota, lui, il n'a pas de protection contre les infiltrations d'eau au niveau des coutures. Et ça, c'est un vrai problème. Le matelas que j'ai utilisé, je vais devoir faire un tour de magie, un tour de passe-passe, parce que je l'ai rangé en face et il y a la table entre moi et le matelas et je n'ai pas le bras assez long. Donc, tour de magie, 3, 2, 1, 0. Voilà. Tour de magie. Ce matelas, c'est un matelas en mousse, tout simplement. J'aime bien les matelas gonflables, j'ai rien contre. Mais pour moi, le matelas en mousse, il est imbattable quand tu as l'habitude de dormir dehors. Et donc, le confort très spartiate du matelas en mousse te suffit quand tu as l'habitude de dormir dehors. Puis en plus, il est sacrément polyvalent ce matelas. Je peux m'asseoir par terre avec, sur de la neige. Je peux m'asseoir sur un caillou qui aurait des arêtes un petit peu piquante, je peux l'utiliser pour m'asseoir n'importe où. Si je l'utilise dans le cadre pour lequel il a été conçu, je peux pas l'abîmer. Enfin, je vais pouvoir le griffer ou arracher des petits bouts à cause des ronces ou des trucs qui traînent par terre. Ça, c'est arrivé des millions de fois, mais il est encore en très bon état. Donc ça, c'est pour le matelas. Le sac de couchage que j'ai emporté, vous pouvez le voir sur la housse de compression, il est fabriqué en France. C'est l'atelier French Light Outdoor qui le fabrique. C'est un petit gars, un artisan, chez lui, qui aime bien la rando. Il aime bien marcher, il aime bien le matériel léger, il aime bien confectionner des trucs. Donc il fait ça chez lui. C'est un quilt. Enfin, quilt, c'est le mot anglais, mais en français, on doit pouvoir... Je pense que c'est couverture, le mot qui s'en rapproche le plus. En fait, c'est une couverture rectangulaire. Et en bas, au niveau des pieds, jusqu'à peu près à mi-mollet, tu as un zip. Et ensuite, des systèmes de fixation pour englober le matelas à l'intérieur. Et donc, la protection isolante, bah, c'est le matelas qui va te l'offrir. Puisque sur un sac de couchage, quand tu dors sur le dos, tu écrases la fibre au niveau du dos. Et au final, c'est de la matière qui est inutile, puisqu'elle assure plus son rôle d'isolant, puisqu'elle est écrasée. Et c'est encore plus vrai dans un hamac. Donc dans un hamac, je mets mon matelas en mousse, je mets le quilt, la couverture, par-dessus. Je zippe au niveau des pieds parce que je vais bouger les pieds en pleine nuit. Je le sais, je me connais, j'arrête pas de bouger la nuit. De cette façon, je vais avoir un sac de couchage, mais adapté. Ce quilt, cette couverture, n'a pas non plus de capuche. Puisque généralement, quand je vais quelque part, ben j'ai soit une petite doudoune,
soit une polaire, soit une chemise en laine. Je peux remonter le col. J'ai toujours un tour de cou, un buff. J'ai mon pull en laine aussi, avec le col qui est un petit peu montant. Et puis j'ai ma casquette. Casquette qui peut me couvrir, si besoin, les oreilles. Au final, puisque c'est des éléments que j'ai déjà sur moi, alors la capuche du sac de couchage sera superflue. Donc là encore, on a la possibilité de gagner quelques grammes. Si j'ai pris ce quilt, cette couverture, pour aller en forêt, c'est parce que je suis en train de le tester. J'ai commencé au début de l'été, et c'est un élément que j'aime beaucoup, qui est un peu plus contraignant à utiliser qu'un sac de couchage complet, mais que je trouve aussi beaucoup plus logique. Soit dit en passant, pour ce bivouac, j'aurais très bien pu emporter aussi une simple couverture en laine. Ça aurait très bien fonctionné aussi en hamac. On va parler maintenant des outils. Voilà, ça c'est un truc qui me tient à cœur. Pour cette sortie, j'avais emporté un couteau que j'aime bien. Un couteau fabriqué en Norvège par la société Strømeng. C'est le couteau KS8, donc c'est ni plus ni moins qu'une petite machette avec une bonne inertie, on peut faire de bons travaux à la volée. Puisqu'il est très solide, on peut aussi faire du bâtonnage avec. Évidemment, c'est toujours pareil, si je veux refendre une grosse bûche, un bio de chêne qui a séché déjà depuis des décennies, je pense qu'il faudra plutôt que je prenne une hache, un coin à fendre, ce sera des outils plus adaptés à la tâche. Ça, c'est pour l'outil coupant. C'est un couteau que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment superbe, et l'étui traditionnel aussi en cuir est magnifique. Ce couteau, je l'avais accompagné d'une petite scie pliante, une Agawa, la Boreal 15. Je sais ce que je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo comparative. Si je dois aller quelque part et je sais pas quel type de bois je vais trouver, il vaut mieux prendre une scie pliante de type Silky, Bako, Fiskars, et j'en passe. Je sais. Mais dans les forêts où je vais, je sais à peu près que je vais trouver du bois sans problème. Des châtaigniers par exemple, des rejets de châtaigniers qui sont morts debout, et il n'y a plus qu'à tendre le bras pour les scier et pour les récupérer. Ça, je sais que je vais en trouver facilement. Donc, une petite scie à cadre pliante. Ces scies-là, elles sont géniales. Une fois repliées, ça prend très peu de place. C'est rapide à déplier, rapide à plier, rapide à mettre en œuvre. Et on a des lames de scie à bûche. Donc pour un prix hyper accessible, on a un outil très efficace. J'aurais pu prendre une hache pour cette sortie. C'est vrai que ça m'aurait bien rendu service. Ça m'aurait fait gagner du temps. Mais j'ai pas fait un feu avec de grosses bûches. Voilà, le but de mon feu, c'était pas de me réchauffer pendant la nuit. C'était de cuisiner une petite bouffe tranquille. Donc j'avais pas besoin d'emporter... J'avais pas besoin d'emporter de gros outils lourds. Pour accompagner le couteau, j'avais mon fidèle couteau suisse, le Victorinox Huntsman. Lui, il me quitte pas, il va se trouver principalement dans les poches du pantalon. C'est un outil que j'aime bien avoir avec moi. Le couteau suisse, c'est la base. Puisque je parle des poches du pantalon, je vais vider mes poches, tout simplement. Un petit peu de cordelette. Voilà, ici on est sur une cordelette, on est sur un fagot qui doit faire dans les 10 mètres à peu près, un petit peu moins, entre 5 et 10 mètres. On est sur une corde de coloris voyant avec une petite bande réfléchissante. Donc je la vois bien en journée et je la vois bien la nuit. Dans les poches, j'ai mon couteau suisse, ma cordelette, des mouchoirs en papier qui me servent aussi de papier toilette. Vous pouvez voir que je les mets dans un sachet Ziploc. C'est un sachet Ziploc que j'avais fait vers 2012-2013. Je l'ai consolidé avec du duct tape. Parce que pour moi, la philosophie même du sachet Ziploc, c'est inconcevable. Un truc en plastique qui est conçu pour être jetable, j'ai tout simplement pas les mots. Donc voilà, un sachet Ziploc très léger et pratique, oui, mais plus solide que dans l'état dans lequel il est vendu. Puis pour finir, dans les poches, on va aussi retrouver ma petite boîte d'allumettes. À la base, c'est une boîte de bouchons anti-bruit de la marque Kies, les boules Kies. C'était un truc en alu qu'on pouvait avoir pour les 20 ans, les 30 ans ou les 50 ans de la marque, je sais plus. Puisque ça fait pile poil le format de mes allumettes, ben je mets mes allumettes dedans. Une bande à gratter ici, fixée au scotch double face. Un petit sachet de gel de silice, le silica gel. Pour absorber l'éventuelle humidité, et c'est réglé. Puisque je parle de poche, le pantalon,
que j'avais porté ce jour-là et que j'aime bien emporter, que j'aime bien porter quand je vais en montagne, c'est le Fjällräven Keb, le modèle Keb, un modèle qui est plus fait aujourd'hui. Il existe toujours, mais c'est une variante, ils l'ont mis à jour. C'est un pantalon que j'aime bien parce qu'on peut le ventiler sur les côtés, au niveau des cuisses, au niveau des mollets. Pourquoi un pantalon ventilé plutôt qu'un short? Bah, toujours le problème des tiques, mais aussi des moustiques. Et un pantalon ventilé, c'est évidemment pas aussi confortable pour marcher en montagne qu'un short. Moi, j'adore le short pour marcher en montagne. Mais comme là, j'allais pas marcher, le pantalon s'est imposé de lui-même. Dernier élément qu'on va trouver dans les poches, une barre de ferrocérium que j'aime bien utiliser. C'est la Kuplinka numéro 6, je crois. Numéro 6 ou numéro 8. Un fire steel vraiment efficace avec un manche ergonomique que je peux utiliser même l'hiver en portant des gants épais. Donc ça, c'est pour les éléments que j'ai dans la poche. Ensuite, par quoi je vais continuer? La protection? Les EPI? Ouais, bonne idée. On va parler des équipements de protection maintenant. Quand je dois prendre quelque chose dans le feu, ou si je dois sculpter quelque chose, ou si j'utilise un outil coupant et que je sais que je ne suis pas forcément en sécurité, rien qu'en faisant preuve de bon sens, alors je porte une paire de gants anti-coupure. Ça, c'est des gants en Kevlar, avec une protection relativement bonne. C'est pas la plus grosse protection qu'on puisse espérer, mais ça joue bien ça fait bien le boulot quand même. C'est des gants qui m'ont été offerts par un abonné avec qui je suis en contact, surtout sur Instagram. On a procédé à un échange. Il voulait un Fire Steel. Enfin, il m'avait posé des questions sur un Fire Steel. Je lui ai expédié par colis. Puis en échange, il m'a envoyé des paires de gants anti-coupure qu'il a par son boulot. Donc des gants que j'aime bien, avec lesquels je prends aussi des fois des trucs dans le feu. Mais c'est pas fait pour le Kevlar, c'est pas pour ça. Pour ça, il vaut mieux prendre des gants même fins en cuir. Ce sera plus durable. Je crois que le Kevlar aime pas la chaleur. Enfin, je sais pas trop, j'y connais rien. On reste dans les outils avec mon bouffadou. Le bouffadou, c'est un tube tout simple qui sert à attiser les braises pour relancer le feu ou pour démarrer le feu. Moi, j'ai fait le mien avec un morceau de bambou. J'ai percé les extrémités, un trou large d'un côté pour souffler, un trou fin à l'autre extrémité pour condenser le flux d'air et voilà, ça marche bien. Pour cette sortie, j'avais pris une pipe en bois, non d'une pipe en bois, cher capitaine Haddock, une pipe faite dans une branche de merisier, et puis finalement, j'ai pas eu envie de m'en servir. Une pipe bien faite quand même, parce qu'elle est faite avec un pas de vis pour être démontable. C'est génial. Une pipe faite maison avec un pas de vis, c'est juste génial. J'avais pourtant pris du bon tabac, mais je m'en suis pas servi. Bon, je suis pas fumeur, de toute façon, j'éprouve pas le besoin de fumer. L'eau, l'hydratation. Je bois mon café depuis tout à l'heure, je vais vous parler de l'eau. Pour cette balade, j'avais pris ma gourde en acier inoxydable d'un litre. Ça vient de chez GoSport. Je l'aime bien, elle est plutôt bien. C'est pas ce qu'il y a de plus solide au monde. J'aurais tendance à dire... Vaut mieux une bonne vieille Nalgene en plastique Triton sans bisphénol. Le Triton, c'est super solide. Sauf que Nalgene, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus solide. Hein, une gourde, bon déjà à l'origine, une gourde, c'est pas conçu pour faire une chute et tomber au sol. Voilà. J'ai déjà vu des gourdes en acier inoxydable et en alu se percer après une chute. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait tomber ma petite gourde Nalgene d'un demi-litre dans lequel j'avais mon mélange protéiné. Elle s'est éclatée. Je l'ai faite tomber d'une hauteur d'une table, à peu près 60 à 70 cm. Elle était pleine, elle n'était pas gelée, elle n'était pas chaude non plus. Elle est tombée sur du carrelage et elle s'est craquée. Et j'ai perdu mes protéines. La gourde encore, c'est pas grave, les protéines quoi, mince. Blague à part, est-ce qu'il existe une gourde vraiment très solide sur le marché? Vous me direz, si vous savez. Si vous bricolez chez vous et que vous enfoncez des clous avec votre gourde, vous me direz. La deuxième gourde que j'avais emportée, c'est une gourde que j'avais achetée en promo au début de l'été à Sport 2000. Une gourde de la marque quelque chose, qui est sans BPA, qui est aussi en Triton, comme les Nalgene. Mais j'aime bien le format à Trigano, je crois. Je crois que la marque, c'est Trigano. J'aime bien ce format-là, puisqu'on a un peu le format des gourdes américaines. Militaire avec les vieux quarts en haricots.
C'est pas pour dire voilà, j'ai une gourde qui ressemble aux gourdes militaires, je m'en fous. C'est parce qu'elle s'insère bien sur le côté du sac où les poches latérales sont pas très volumineuses, donc ça, ça rentre bien. Celle-là aussi rentre bien, mais elle est quand même plus grosse, donc j'ai tendance à forcer un petit peu plus. Bon, ça fait le boulot, hein, quoi qu'il arrive. Pour cuisiner, j'ai emporté principalement ma popote que j'adore, la Fire Maple, qui est une popote bien foutue. J'aurais tout à fait pu utiliser aussi ma Zebra, qui est aussi une très bonne popote. Voilà, une popote fabriquée en Thaïlande, une popote fabriquée en Chine. Un prix un poil plus élevé pour la Fire Maple, je crois. Pas non plus 10 fois plus cher, mais quand même un peu plus élevé. Moi, je suis prêt à investir dans une popote comme celle-là, parce qu'elle est vraiment pensée différemment de la Zebra. Déjà, pour commencer, on a un couvercle qui ferme bien, de façon sécurisée. Quand je fais cuire quelque chose dedans, j'ai pas besoin d'avoir un couvercle qui soit bien fermé. Mais si je veux utiliser ma popote comme un four, alors j'aime bien avoir la possibilité de bloquer le couvercle. Et ça, je peux pas le faire avec la Zebra. Voilà, je bloque la popote couchée comme ça. Je mets une plaque métallique à l'intérieur, pourquoi pas un morceau de parvent en alu. Je mets mon plat par-dessus et j'ai un tout petit four. Je mets ça sur le feu ou même sur mon réchaud à bois, ou pourquoi pas un réchaud à gaz, et j'ai un petit four. Pour ouvrir le couvercle, on a deux ici clips, dont un qui est un petit peu lâche et l'autre est bien fixé. Ça tient bien. Une fois ouvert le couvercle, on a la pochette de transport dans laquelle est fournie la popote. La popote vient dans cette pochette. C'est un filet en nylon mèche. Le mesh, c'est un petit peu la matière des maillots de foot, si vous ne connaissez pas trop. C'est un nylon bien ventilé, bien complètement percé. Ça permet d'y mettre divers éléments, par exemple de la nourriture. Ensuite, on ferme, on accroche ça à une branche d'arbre, et ni les rongeurs ni les renards vont pouvoir manger ma nourriture. Cette popote est accompagnée d'un petit panier percé pour la cuisson à la vapeur. Je m'en sers aussi. Quand la popote est utilisée à autre chose, je pose ça sur les braises et je pose un aliment dessus, comme un chapati par exemple. Chapati, je peux le mettre directement dans les braises, hein, y a pas de souci, c'est la cuisson d'origine, je crois. Ça marche pas trop mal. Voilà. Et un point déterminant pour moi, que j'aime bien, c'est l'anse, pour pouvoir suspendre la popote au-dessus du feu. Une popote équipée d'un bec verseur, ça c'est bien aussi, c'est la... Encore une belle différence avec la Zebra. Deuxième élément pour cuisiner, ma petite tasse. Là, c'est aussi une tasse de chez Fire Maple, la même marque que la popote. Le couvercle, lui, par contre, c'est Tox qui fabrique ça. Petite tasse en titane qui a un volume de 300 ml à 1 cm du rebord, à peu près. 300 ml, c'est un bon volume si je veux faire un bon café avec beaucoup d'eau, si je veux me faire une soupette. Ou si je suis en montagne et que je veux faire réchauffer assez d'eau pour un plat lyophilisé. Dans ce cas, 300 ml, c'est le bon volume. Pour cuisiner, j'ai pas utilisé seulement un feu de camp. J'ai aussi utilisé un réchaud à bois. Voilà, ce petit réchaud là. Que je transporte dans un sachet. Normalement, bon, c'est un petit sac fourre-tout. Hein. C'est aussi fait par Florent de French Lights Outdoor. Le mec qui a fait mon quilt. Un petit sachet fait à la main. La machine à coudre quand même, qui est imperméable, donc on peut mettre quelque chose qui craint l'humidité, mais pas étanche. Attention, la différence entre imperméable et étanche. Étanche, je peux l'immerger dans l'eau, il n'y a pas d'eau qui va rentrer. Imperméable, ça peut prendre la pluie, avec l'ouverture vers le bas évidemment, l'eau ne rentrera pas dedans. Il n'y a pas besoin que ce soit vraiment imperméable, même si je mets mon combustible dans le réchaud. Le réchaud qui sera transporté dans le sac. Donc c'est un réchaud en trois parties. On a la base, la chambre de combustion ici avec une large fenêtre d'approvisionnement. Donc un réchaud, voilà, la dernière partie se trouve dans mon sac à Opinel. C'est le petit support en croix qui va me permettre de mettre dessus à peu près n'importe quel élément. De façon relativement fiable. Voilà.
ça, ça tient pas mal du tout. C'est encore mieux si on fait pas le feu sur un matelas en mousse. Là, c'est un peu casse-gueule. Voilà, de cette façon, c'est beaucoup plus stable. Un réchaud en titane que j'avais acheté sur un coup de tête sur AliExpress et que j'ai regretté pour deux raisons. Première raison, je pouvais pas le monter quand je l'ai reçu. J'avais toute cette partie-là, d'ailleurs on peut le voir ici, je n'ai pas complètement terminé. Toute cette partie-là, le bourrelet là ici, beaucoup trop proéminent et c'était impossible de faire ça. Ça, c'était pas possible. Donc j'ai dû sortir ma disqueuse parce que le titane, ça a l'air léger et fragile comme ça. Mais c'est pas de l'alu, hein. Si tu mets pas un coup de lime dessus et c'est réglé. Non, la disqueuse, faut y aller un moment aussi. Donc tu es obligé d'utiliser une disqueuse pour rattraper un bourrelet trop gros en titane. Donc premier point qui m'a fortement déçu. T'achètes un truc, tu le reçois, il n'est pas utilisable. Deuxième point, chez Tox, donc ça c'est la marque Lixada. Chez Tox, on a un modèle équivalent, mais de taille suffisante pour pouvoir être rangé dans une de leurs tasses. Donc, tu as la tasse, le réchaud, le combustible, une cuillère, un briquet ou un fire steel dans ta tasse. Et ça, moi j'aime bien ce type d'idée. Ce type de solution, tout complet, moi j'aime bien. Donc voilà, puisque je l'ai acheté, je m'en sers. Je vais pas bêtement le remplacer en me disant non, je voulais absolument le Tox. Non, ouais, je l'ai, donc je vais m'en servir. Donc le matin, quand je me lève, soit il me reste encore des braises et je mets du petit bois par-dessus et je relance mon feu en quelques minutes, soit j'utilise un réchaud, je mets un peu d'écorce de bouleau, un petit peu de cordelette de sisal et puis quelques bouts de bois par-dessus, histoire de me faire une boisson chaude tout de suite au réveil. Je pourrais aussi très bien utiliser un réchaud à gaz, voilà. Ce bon vieux BRS 3000T que j'avais acheté je sais plus où, sur Banggood ou un truc comme ça en 2015 ou 2016. Je pourrais utiliser ça, tout simplement. Mais moi j'aime bien cuisiner au bois. Donc voilà, je me suis fait ma petite infusion d'aiguille de sapin, riche en vitamine C, mais pas non plus à 100% puisque la vitamine C n'aime pas la chaleur. Donc si je fais infuser mes aiguilles de sapin dans de l'eau bouillante, je vais complètement ruiner la vitamine C. Mais voilà, une bonne infusion à boire le matin. En termes d'outils, là on va passer à la partie culinaire, puisqu'on a parlé des popotes. J'ai ma petite trousse, une trousse Savota dans laquelle je mets mes opinels. Je dis mes opinels, puisqu'on va retrouver un utilitaire ici, un numéro 6, qui est parfait pour bricoler, sculpter et gratter le fire steel, que j'utiliserai pas pour cuisiner par contre. Pour cuisiner, j'ai ici mon numéro 10 à tire-bouchon, très bon couteau. Même si la bouffe sur un couteau pliant, j'aime pas trop. La bouffe qui se met dans la virole ici, puis ensuite t'es obligé de nettoyer, de mettre de l'eau, ça va gonfler, je suis pas fan. Pour terminer, l'économe, donc c'est l'économe numéro 6, donc la même taille que le petit numéro 6, avec virole, ça c'est vachement bien. C'est vraiment un économe de caractère, je l'apprécie beaucoup parce que c'est opinel, tout simplement. Puisqu'on est dans la cuisine, il y en a certains parmi vous qui m'ont dit « J'aime bien ta planche à couper, elle a des rebords, c'est plutôt bien pensé. » Et bien cette planche, c'est une assiette. Une assiette creuse, on pourrait dire. Ça vient de chez Kupilka, de Suède. C'est un mélange de bois et de plastique. Donc le bois pour le côté un petit peu moins polluant, et le plastique pour le côté plus solide. J'ai mis une lanière en cuir, un petit bout de bois ici pour pouvoir l'accrocher. Hop, et puis je m'en sers d'assiette pour manger, de présentoir pour mettre différents éléments quand je vais cuisiner. Voilà, le sel, l'huile d'olive, mes allumettes, mes opinels, que sais-je encore. Et puis naturellement, je m'en sers aussi de planches à découper. Pour cuisiner, j'ai mon mélange ici, dans une petite boîte à échantillons, c'est une boîte en alu. Un mélange de sel à l'ail des ours, avec des épices Colombo, du basilic et du thym. Ça, ça parfume les plats comme jamais. L'huile d'olive dans un flacon en acier inoxydable en forme d'éprouvette. Moi, je trouve ça bien pratique. J'avais acheté ça sur AliExpress il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'évite beaucoup les sites comme AliExpress ou Amazon quand je dois acheter des fournitures. Si je les trouve pas ailleurs, par contre,
j'achète sur ces sites, mais en ciblant d'abord la qualité pour que ce soit plus durable dans le temps, parce que je ne veux pas en acheter tous les 36 du mois. Une cuillère en bois, du bois de châtaignier. Cette cuillère, je l'ai sculptée il y a 2 ans, quand je suis parti passer 3 jours en forêt. J'avais bivouaqué en hamac et j'avais principalement cuisiné au poêle à bois. Une vidéo qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs, j'avais eu beaucoup de questions sur cette vidéo. Tout à l'heure, je parlais d'hydratation avec mes gourdes. J'ai oublié de parler de mon filtre à eau. Le filtre à eau, vous le connaissez, je l'utilise depuis un petit moment maintenant. C'est toujours ce bon vieux EarthFox, ici présenté avec son sac souple. Un sac qui pour moi est beaucoup trop petit, malheureusement, puisqu'il fait que 1 demi-litre. J'aurais bien aimé avoir le choix à l'achat entre 1 demi-litre, 1 litre, 3 litres. 3 litres, c'est déjà bien. Voilà, pour moi, c'est la limite. La limite haute. Avoir le choix du contenant, c'est un truc que j'avais eu avec le Bifree, avec un autre filtre à eau que j'ai beaucoup utilisé, le Bifree, de chez Katadyn. Et j'aime bien avoir le choix du contenant à l'achat. Voilà. Alors, le couchage, l'abri, le transport, le bricolage, le pipi caca, le miam miam. Ouais, on retombe en maternelle là. Le miam miam, très important. Mon sac filoche, ma filoche à patates, mon sac à patates, qui vient de chez Savota. J'adore ce truc. Vraiment, je l'adore. Ici, on a une fermeture de type roll top. Une fois ouvert, on a un truc assez volumineux. Et moi, je me sers de ça. Donc, c'est du nylon tissé mèche, bien bien aéré. D'accord ? C'est pas fait pour être isotherme. Et moi, j'aime bien utiliser ça pour mettre ma nourriture à l'intérieur. Donc, les légumes frais, le pain, le fromage, le saucisson, la boîte d'œufs, tout ce qui concerne la nourriture, je le mets là-dedans. Ensuite, je fais une petite fermeture comme ça. Je l'accroche à une branche d'arbre et terminé. Pas de souci ni avec les rongeurs, ni avec les renards. Donc voilà. Ça, c'est un élément qui ne quitte plus mon sac. On peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur d'ailleurs, c'est pas forcément prévu pour de la nourriture. Voilà. Bim bam boum, je crois que j'ai fait le tour. Pour la vaisselle, une petite lingette en microfibre, parce que c'est facile à laver. Ça absorbe bien l'humidité, ça sèche très vite, puisque c'est très très ventilé, c'est très léger. Un autre élément indispensable, c'est ma trousse de soins, auquel elle aura toujours la couleur rouge. Dans cette trousse, on va retrouver des éléments de soins et des éléments de confort. On va retrouver, alors, mon savon. Où est-ce que j'ai mis mon savon? Dans mon savon, il est dans un autre sac. Un petit bac, comme ça, un petit pot, dans lequel je transporte un petit bout de savon d'Alep, parce que le savon d'Alep, c'est génial. On peut se laver, on peut se brosser les dents, on peut se raser, on peut laver les vêtements. Donc, un petit bout de savon d'Alep, mais que j'ai pas ici, sur la table. Tant pis. Généralement, c'est pas dans la trousse de soins que je transporte ce petit savon, c'est dans la poche du pantalon. Dans cette trousse de soins, on va retrouver des éléments de confort comme du fil dentaire, la crème NOC, bien connue des marcheurs, qui est une crème qui est géniale pour préparer le pied à la marche. Pas forcément à utiliser pendant une marche, mais plutôt en amont, en préparation. On va retrouver aussi tout ce qui est soins, mais aussi la brosse à dents, une brosse à dents en bambou. Le dentifrice, c'est un tube de dentifrice de voyage que j'ai vidé. Donc je l'ai ouvert au ciseau, rempli avec mon fluocaryl dont je me sers chez moi, et puis refermé avec du scotch bien solide. Et puis on va retrouver tout ce qui est pince tyrtique, antalgique, il y a de l'orage, antispasmodique pour les problèmes de ventre, principalement du côlon. Du Smecta aussi, au cas où je prenne une petite diarrhée. Et puis la pince tyrtique, je crois que j'en ai parlé. Le miroir à utiliser avec la pince tyrtique. Enfin, des éléments qui sont pas forcément toujours indispensables, mais qui font bien plaisir à avoir quand même. Il manque juste quelques huiles essentielles. Donc, je pense à l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de Ravintzara, que j'utilise de temps en temps chez moi. La Golteri aussi. Mais que j'ai remplacé par des baumes. J'ai le baume qu'on achète en pharmacie, là, le Vix Vaporub, pour les problèmes respiratoires principalement.
Et puis le baume VG Baume, qui est plus ou moins équivalent au baume du tigre pour tout ce qui est problème d'hématome, les coups, les contusions. C'est une trousse de soins que j'ai fait à partir de mes propres besoins. Voilà, ça correspondra pas forcément aux besoins de tout le monde. Coton-tige, boule-caisse, bouchon anti-bruit. Parce que des fois en forêt, on n'est pas tout seul. Moi, il m'arrive de camper. L'autre jour, j'ai campé au bord de l'étang des Pères Chartreux. Et à quelques centaines de mètres de là, il y avait un mec en camping-car qui avait mis un boomer à fond. Et il s'était fait sa propre boîte de nuit en plein air, quoi. Donc là, j'étais content d'avoir mes bouchons anti-bruit. Voilà, bonne trousse de soins. Dernier élément ici, c'est une pochette toujours en Dyneema, qui a été faite toujours par Florent. Oh, la pluie, elle fait pas semblant, là. Donc, une pochette fourre-tout dans laquelle je vais mettre du cordage, les sangles de fixation de mon hamac et un deuxième hamac, vraiment très compact, un hamac minimaliste très très léger, que je vais principalement utiliser en chaise hamac. Donc, mon hamac avec moustiquaire est installé pour la nuit. Je veux utiliser un autre hamac pour faire une chaise bien confortable. J'ai mon deuxième hamac. On pourrait se dire, quitte à doubler les éléments, autant rajouter un deuxième tarp. Comme ça, j'ai un tarp au-dessus du hamac dodo et un tarp au-dessus du hamac chaise transat. Pourquoi pas, vu le poids que font les tarps aujourd'hui, c'est une possibilité. Rien ne m'empêche de mettre deux tarps dans mon sac à dos. Moi, j'aime bien ces sacs. J'aime bien. Donc voilà. La lampe à pétrole. Alors ça, c'est clairement pas un élément indispensable qu'on doit retrouver systématiquement dans tous les sacs de campeurs, en forêt, de bivouaqueurs. C'est un élément sympa. Moi, j'aime bien ces outils anciens. J'ai mal géré la mèche pendant le bivouac, puisque quand je l'ai eu au début de l'été, j'ai vidé le pétrole qui se trouvait à l'intérieur pour éviter les accidents. La mèche a séché. Au début du bivouac, j'ai rempli avec une petite bouteille de pétrole et je l'ai allumé sans attendre que la mèche soit complètement imbibée. Résultat des courses, la mèche s'est consumée comme une allumette. C'est au bout de quelques minutes à peine, plus de mèche. Donc, perdu. Voilà donc une lampe qui dégage pas mal de lumière. Un petit peu de chaleur aussi, d'ailleurs. Et puisqu'on parle de chaleur, sur Instagram, je me souviens plus comment ça s'appelle, on avait posé la question, est-ce qu'on peut utiliser ça pour réchauffer un abri fermé, par exemple. Et à mon avis, c'est vraiment très très dangereux d'utiliser un truc comme ça, qui va dégager des gaz de combustion, pour réchauffer un abri fermé. Parce que là, on va clairement, à mon avis, très certainement, vers une intoxication en monoxyde de carbone. Puis bon, respirer du pétrole brûlé, non. On va parler des vêtements. Maintenant, puisqu'on a encore un peu de temps, le pull en laine, puisque c'est principalement là-dessus que se portent vos questions généralement, c'est un pull qui a été tricoté à la main par Nadine, une artisane d'Auvergne, qui fait ça chez elle, c'est son boulot, et elle est talentueuse. Donc elle m'a contacté pour se faire de la publicité, elle m'a dit « Tiens, moi, je fais des pulls en laine, est-ce que t'en veux un que tu porteras dans tes vidéos ?» Je dis bah oui, avec plaisir. J'aime bien les pulls en laine islandaise, ça fait très finlandais, très suédois, très danois. Donc, pull en laine, elle a pris mes mesures, elle m'a demandé ce que je voulais comme type de coupe. Est-ce que je veux un col rond, un col ouvert à boutonnière ou autre. Et puis elle m'a demandé la couleur et le motif que je voulais. Donc j'ai pris mes mesures bien sérieusement, hein, parce qu'il ne s'agit pas de se tromper quand même. Je lui ai dit que j'aimerais une couleur principale claire, le gris, une couleur vert kaki pour rappeler les sacs à dos que je porte en général, et puis un motif tipi. Donc elle m'a fait un motif tipi qui fait le tour du pull. Ensuite, je lui ai dit que je voulais un col ouvert pour pouvoir ventiler pendant que je travaille, parce que je vais transpirer, et la possibilité, là encore, de faire moi-même les boutons, parce que j'avais ma petite idée. À ce moment-là, je voulais faire mes boutons en branche de bouleau. Donc j'ai cousu mes boutons moi-même. Puis je les avais fait sur place, d'ailleurs, pendant que j'étais parti camper. Ça, c'est pour le pull. La chemise en laine, c'est Sasta qui fait ça. Une chemise bien confortable, qui tient bien chaud.
C'est pas forcément un vêtement technique, comme une doudoune par exemple. Moi, je suis très fan des doudounes. Quand je vais en montagne, j'en ai toujours une dans mon sac. Pour moi, elle fait vraiment partie du fond de sac. La chemise en laine, c'est un élément, un vêtement génial. C'est super charmant, mais si tu veux remonter les manches, tu es obligé de déboutonner et puis de faire des plis. Voilà, t'as pas d'élastique comme avec une doudoune. Je suis pas en train de comparer la chemise en laine et la doudoune, attention, ça n'a rien à voir. Les chaussures, c'est les Mendel Vacuum MFS. Vacuum MFS. C'est des bonnes chaussures de marche que j'aime bien pour saison froide. Si je veux marcher dans la neige aussi, je vais les prendre. Si je sais que je vais principalement faire du statique dans la neige, par contre, je vais plutôt prendre mes Sorel. C'est les Sorel, je ne sais plus comment ça s'appelle, le nom du modèle. J'ai pu les tester dans la neige profonde, bien fondue d'ailleurs à certains endroits. Et la neige un petit peu plus poudreuse aussi ailleurs. Elles sont parfaitement étanches, mais à condition de tomber sur le bon modèle. Et oui, la première paire de Sorel que j'avais achetée, j'avais fait une sortie de quelques heures dans la neige, j'ai le pied droit qui avait pris l'eau par-dessous. Donc en théorie, dessous, c'est pas possible. Sur les côtés, peut-être, au niveau des coutures, peut-être, mais moi, c'était arrivé par-dessous. Donc il devait y avoir un trou quelque part. Mais je suis pas le seul, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec ce modèle de chez Sorel. Donc le jour même ou le lendemain, je suis retourné au magasin chez Gauzy à Voiron où je les ai achetés. Je leur ai fait part du problème. Ils les ont récupérés, ils les ont renvoyés, je sais plus où. Où ils ont vérifié, ils ont fait un test avec une bassine. Ils m'ont contacté en me disant effectivement, il y a bien une infiltration d'eau. On va vous les remplacer par des neuves. N'hésitez pas à revenir s'il y a quoi que ce soit. Ce que j'aime avec ces chaussures, c'est le chausson amovible en laine dans lequel on trouve pris en sandwich une feuille d'aluminium perforée pour la ventilation. Donc c'est bien parce que le chausson en laine, même quand il est un petit peu mouillé par la transpiration, je peux dormir avec dans le sac de couchage et je vais quand même avoir chaud aux pieds. C'est pas un problème. Je l'ai fait avec un sac de couchage en synthétique, le Carinthia Défense 4. Et ça marche bien. J'ai toujours chaud aux pieds. Mais qui dit dormir avec un truc mouillé dans un sac de couchage, normalement, c'est pas très bon pour le sac de couchage. Que ce soit du synthétique ou du duvet, vaut mieux éviter de mettre un truc mouillé dedans. Mais le mauvais point de ces chaussures, c'est qu'elles sont pas faites pour la rando. Elles sont pas faites pour marcher. Faire du statique dans la neige, aucun souci. Marcher sur plusieurs kilomètres avec du dénivelé, tu oublies tout de suite. Parce que ton pied, il nage beaucoup à l'intérieur. Donc ça, c'est un bon moyen de te faire des ampoules, mais partout, quoi. Talons, plante du pied, orteils. Pour l'avoir expérimenté, je sais que c'est pas agréable. Donc ce que j'ai fait, à l'intérieur des chaussures, j'ai pris un de mes tapis en mousse pour la muscu. Là, tu sais, quand tu poses les haltères un peu lourdes, pour pas que ton voisin il tape au plafond avec son balai, là, les tapis en mousse, bien dense. J'ai posé une semelle dessus, et puis j'ai découpé une forme de semelle avec cette mousse. Ça me donne quelque chose qui bloque déjà un petit peu mieux le pied. Et ça s'imbibera jamais d'eau. Enfin, il y a les chats qui ont fait leur griffe dessus, donc forcément, ça peut retenir un petit peu l'eau. Mais c'est facile à faire, facile à découper. Et c'est bien efficace. J'ai pu faire une rando en montagne avec, dans la neige. Aucun souci. Génial. Donc voilà pour les chaussures, qui d'ailleurs ne sont pas des chaussures, mais des après-ski. On s'en fout un peu. C'est le matériel que j'ai emporté pour ma sortie en forêt. Si vous avez encore des questions auxquelles cette vidéo n'aurait pas répondu, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. Comme d'habitude, moi ou un membre de la communauté expérimentée prendra le temps de vous répondre. Et je sais, je tiens à vous remercier d'ailleurs, quand je ne réponds pas au bout de quelques jours à une question qui peut sembler importante ou prioritaire, parce que vous prenez le temps de répondre à ma place. Si besoin, j'ajoute un élément de réponse, mais la plupart du temps, la réponse est juste. Donc, moi, ça me fait plaisir d'avoir des gens parmi vous qui sont à la fois expérimentés et qui ont le temps de répondre à ma place. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne,
Et si vous avez apprécié cette vidéo, à me le signaler, déjà en me laissant un commentaire, ensuite en cliquant sur le petit pouce, et puis en partageant cette vidéo avec vos proches, vos amis, votre communauté, votre groupe Facebook, si vous en avez un, et puis bah, votre famille, si vous pensez que cette vidéo peut leur apporter quelque chose. Ah, plus de café, vite, ma cafetière. Est-ce que j'ai encore du temps pour parler du matos vidéo? Non, 3 minutes, ça va être beaucoup trop juste. On se retrouve très bientôt pour parler du matériel vidéo. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à très bientôt. Ciao. J'espère que j'ai rien oublié, c'est ma spécialité ça. Oh, la lampe frontale. Bah si, j'ai oublié de parler de ma lampe. Bah, c'est toujours cette bonne vieille Armitek Wizard C2 Pro, une bonne lampe. Je la présente plus, hein, je vous en ai déjà parlé. J'aime bien cette lampe, j'ai juste beaucoup de mal à équilibrer la lumière de la lampe quand je filme. Ça a tendance à faire une lumière vraiment trop forte et on voit plus ce que je fais, mais ça, bon, pas très grave. Donc, une lampe que j'aime beaucoup, voilà, que j'utilise toujours. Bah, je pense que c'est tout. Allez, maintenant je vais finir cet article super intéressant dans un vieux magazine de passionnés de nature, Natimage. Un article super intéressant sur comment réussir son piège photo. Voilà, super article avec des photos bien illustratives. J'adore ce magazine.